je vous en avais parlé, ça y est, je vous la fais, de vous parler des produits que j'ai commandés sur le site Sponjac, des produits de Elsa Makeup. Bien évidemment, je vous mets tout en barre d'infos, les liens directs, et puis maintenant, je vais vous en parler. Le premier produit que je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà fait un crash test dessus, je vous ai déjà donné mon ressenti, c'est sur sa palette Warm Live Light. Donc, je vous mettrai le lien ici, en fiche, donc comme ça, vous pourrez aller voir ce que j'en pense. Je vais vous redire vite fait ce que j'en pense. Donc déjà, j'ai trouvé que la palette en elle-même, elle est vraiment belle. Je vais poser ça à côté. Voilà, elle se présente comme ceci. Hein. Donc vous voyez, par rapport à ma main, hop, je la trouve lourde. Je vais vous expliquer après pourquoi. Il y a un grand miroir, alors ça c'est génial. Et ensuite, vous voyez au niveau des fards, ils sont vraiment beaux, ces fards. On a un blush et un highlight, les deux, là, c'est... J'adore, franchement, j'adore. Je vous ai montré dans la vidéo, vous verrez, lors des swatchs, moi, sur ma main, même sur mes yeux, j'ai pas la pigmentation qu'il y a dedans. Lorsque j'ai fait ma vidéo, ça a été un débat parce qu'il y en a certaines qui ont le même ressenti que moi, où ils ont trouvé aussi qu'il manquait de la pigmentation, et d'autres où tout se passait bien. Alors, on ne sait pas si c'est des défauts de palette, c'est pas du tout, ça peut arriver, ou si vraiment c'est comme ça, je ne sais pas. Après, on a toutes nos exigences, donc voilà. Ce que j'ai bien aimé dans cette palette, c'est qu'on peut refermer comme ça et tenir sa palette pour se maquiller. Donc, quand je vous disais qu'elle était lourde, au moment où je m'en suis servie, moi en plus, j'avais des problèmes au niveau du poignet. Donc, je disais que j'aimais bien des fois prendre ma palette, comme les palettes Urban Decay, les Smoky ou... les dernières, la Peach, les chocolats et autres, quand ils ont un miroir en long, et en fait me maquiller carrément avec la palette de prendre. Mais là, en fait, je trouve qu'elle est imposante et je trouve qu'elle est lourde. Ça, voilà. Ça a été mes deux défauts vraiment que je pouvais dire sur cette palette-là. Sinon, vraiment, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Et alors, pour moi, le Pinky Love et le Light Up, j'aimerais bien que Elsa sorte justement ses highlights et ses blushs en dehors de ces palettes, franchement, parce qu'ils sont vraiment top. J'ai rien à dire, aussi bien sur la tenue, sur la pigmentation, j'aime bien. Surtout que moi, vous savez que j'ai des taches pigmentaires, donc moi, le blush, c'est très difficile. Là, j'ai racheté tout l'ensemble de Benefit, où dedans, il y a certains blushs, dû au fait que mes taches soient beaucoup plus prononcées, là, vu qu'il fait chaud, je ne peux pas trop les mettre. Là, il me faut vraiment des blushs qui ressortent, c'est difficile. Donc, je joue avec le contouring pour faire ressortir tout ça. Voilà cette première palette que vous retrouverez. Je vous donne le lien. Alors, je ne me souviens plus des prix, hein, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc, je pense que oui, quand même, c'est une palette qu'on peut avoir avec soi. Après, tout dépend ce que vous recherchez au niveau de la pigmentation. Pour ça, je vous laisse aller découvrir les swatchs et ce que j'ai pu faire. Il me semble bien que j'ai même fait un tuto. Je regarderai, je vous le mettrai. Ensuite, la chose que j'ai commandée, que je voulais absolument tester, mais j'attendais et je voulais qu'il y ait plus de recul. Et effectivement, il y a eu du recul parce que les premiers rouges à lèvres qu'elle a sortis, et ils ont retravaillé la formule. Donc c'est pour ça, c'est bien, je veux dire, quand on teste, on est des testeuses, on aime ça, c'est notre passion. Quand on teste les produits, c'est pas pour descendre le produit, c'est pour améliorer. Et apparemment, Elsa a pris compte des critiques constructives par rapport à ces rouges à lèvres, et ils ont reformulé. Moi, j'ai pas connu les anciens, donc je peux pas vous dire, je peux pas comparer. Par contre, j'ai pris là celui-ci. Donc ça se présente comme ça. Vous avez écrit... en gold, bien sûr, parce que c'est sa rose gold couleur préférée, Elsa Makeup, voilà, c'est aimanté, il y a du lourd, hein. Je peux vous dire qu'au niveau packaging, moi j'ai rien à reprocher, lace, voilà, ensuite, ça se présente comme ceci, donc vous n'avez rien écrit au niveau du raisin, donc c'est, alors il peut paraître rose clair, il fait clair, c'est vrai que j'ai été étonnée, sur le raisin, ça ne m'a pas donné la même couleur que sur mes lèvres. Je vais l'appliquer, vous allez voir, et je vais vous dire ce que j'en pense par rapport, après, au niveau de sa tenue. Moi, en plus, vous savez, j'ai une dépigmentation, là j'ai une veine, et j'ai une dépigmentation tout autour des lèvres, comme par rapport à mes taches.
c'est des couleurs qui me vont pas parce que en fait justement ça me couvre pas spécialement au niveau de ma pigmentation. Vous voyez, ça fait bizarre. On voit toujours à travers. Donc déjà, c'est une couleur qui ne me convient pas vraiment. Quand je la mets, je suis obligée, vous voyez les contours, je suis obligée de cacher avec un crayon bois de rose et de faire les contours et de colorier à l'intérieur comme ça. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres, là ça va. Voici sa teinte. C'est une belle teinte, hein. Je ne dis pas que ce n'est pas une teinte qui n'est pas belle du tout. Bien au contraire, elle est belle. Mais moi, vous voyez, elle ne me convient pas. Ça ne va pas du tout. Alors, au niveau du ressenti, c'est un rouge à lèvres quand même, je trouve qu'il s'applique bien. Il n'y a pas de souci. Au niveau mat, il n'y a aucun problème. Il ne me dessèche pas les lèvres. Par contre, dans la durée, dans le temps, il ne tient pas spécialement. Et j'aurais tendance même à dire qu'il va commencer, moi, à partir bien évidemment en premier au milieu de la bouche quand je vais manger. Et je me suis rendu compte que quand je veux, alors c'est mon avis, attention, hein, quand je veux en remettre, donc je vais reculer. Ça me fait bizarre en plus avec ma couleur que je viens de refaire. Je vais l'enlever parce que je l'aime pas du tout là. Je pense que je vais le revendre parce que j'ai du mal. Mais s'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi parce que je vais le revendre. Ça sert à rien que je garde un rouge à lèvres voilà, qui ne me convient pas. Je l'ai utilisé peut-être 3 fois. Donc voilà. Quand je veux en remettre, justement, il ne m'assèche pas les lèvres. Mais si je veux en remettre, ça me fait un petit peu... pas pâteux, mais ça va pas, le raccord. Il faut que j'efface tout, que j'enlève tout et que je recommence. Voilà. Donc, je me suis dit que je voudrais tester avec d'autres teintes. Pourquoi pas avec une autre teinte. Celle-ci, c'est vrai que je pensais pas. Vous avez vu la couleur que c'est. Et sur mes lèvres, ça donnait pas, quoi. Pas vraiment. Donc, voilà. Ce que je peux en dire. Donc il y a plusieurs couleurs et puis il y a une autre gamme aussi de rouge à lèvres, je ne me souviens plus lesquelles. Donc je pense que je vais réessayer aussi. Voilà au niveau du rouge à lèvres. Ensuite, j'ai voulu tester donc les pinceaux d'Elsa Makeup. Beaucoup de personnes disaient du bien de ces pinceaux. Il y avait cette pochette-là, pochette pour les yeux, à 14 €, il me semble bien, voilà. Je les ai tous testés et en plus j'ai pris, alors ils sont sales bien évidemment, hein, je ne les ai pas lavés, les pinceaux pour les yeux ils sont tout propres, il y a pinceau blush, pinceau poudre et je vais vous en parler. Je vais déjà vous parler des pinceaux pour les yeux, on va faire un par un. Donc vous avez un pinceau tout d'abord pour appliquer votre fard poudre ou crème au niveau des sourcils avec le petit goupillon et ça c'est vraiment bien d'avoir les deux en même temps, il n'y a aucun souci. Je l'ai testé avec un fard, j'ai pas pris crème mais j'ai pris un fard de la Nikkid, vraiment vous voyez bien la tranche elle est fine, elle est vraiment impeccable, il n'y a aucun souci, ça prend bien au niveau du sourcil, vraiment bien. Alors s'ils vont en individuel je sais pas, je vais vous donner le nom, Angled Brush. Voilà, le goupillon il est vraiment top aussi, voilà, ce pinceau là, rien de négatif à dire. La petite trousse par contre, oui je ne vous ai pas présenté, elle a des petits clous, des petits pois et Elsa Makeup, elle est sympa aussi. Ensuite l'autre pinceau que j'ai testé avec un nail liner crème, il est vraiment très 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 fin et d'une bonne précision, je l'aime bien ce petit pinceau là, j'ai du mal moi avec les fards crème. Vous pouvez voir, il est vraiment très très fin. Il est encore plus fin que celui-là que j'ai de Makeup Geek. Et c'est vrai que j'ai utilisé le fard crème, le eyeliner fard crème de Makeup Geek avec. Et il est vraiment top, pardon. C'est le eyeliner brush. Le seul petit truc, c'est comme moi je suis habituée avec mon autre pinceau de Makeup Geek, il est courbé. Et du coup, ben...
j'étais un petit peu gênée vu que j'ai l'habitude de l'autre dire courbé, donc impeccable, je fais un trait, que là, ça m'a fait bizarre. J'ai pas testé encore de recourber ça, j'ose pas le faire. Non, 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 j'ai pas trop envie. Ensuite, on va passer à un pinceau, celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le pinceau Flat Definer Brush. Voilà comment il se présente. Donc c'est un pinceau plat avec une tranche très fine où vous allez pouvoir appliquer du eyeliner si vous voulez. Travailler aussi vos sourcils si vous voulez. Moi, je m'en sers uniquement pour appliquer le fard en bas, en ras de la muqueuse et remonter ici pour faire mon trait. Il est vraiment top. Si vous voulez faire aussi un maquillage et marquer votre creux de paupières avec une autre couleur, ça m'est arrivé aussi de le faire avec la Sweet Peach. Ouais, il est vraiment bien aussi. Je peux que vous le conseiller, celui-ci, il est top. Les poils sont pas trop fermes, pas trop mous, juste ce qu'il faut. Ensuite, le pinceau que je n'ai pas testé, c'est le pinceau, alors ils mettent le Crease Brush. J'ai pas testé justement celui-ci dans le creux de paupières. Il m'a l'air vraiment d'être pas mal, d'être vraiment fin. Vous pouvez aussi vous en servir dans le coin pour vous mettre un fard ou même travailler en dessous pour estomper vos fards. Et, hein, ils ont plusieurs fonctions. Voilà, celui-ci c'est le seul que je me suis pas servi. Ensuite, vous avez, je vais commencer par quoi? Le pinceau plat. Le Flat Shader Brush qui se présente comme ceci. Allez, tu veux bien faire... Oh, voilà. Donc c'est le pinceau plat. Il est vraiment top. J'ai travaillé les fards de Kat Von D avec... Il prend vraiment ce qu'il faut au niveau fard, même au niveau d'appliquer, il est vraiment bien. Les fards de Kat Von D, certains fards, en fait, faut mieux les appliquer en tournant qu'en tapotant. Parce qu'en tapotant, ça ne donne pas la pigmentation voulue. Il faut qu'ils soient écrasés. Et justement, je me suis rendu compte qu'avec certains... J'enlève mes lunettes. Hein. Avec certains pinceaux, on ne pouvait pas justement tourner, que ça déplaçait vraiment la matière. Et bien là, j'étais surprise, ça ne déplace pas du tout la matière. Quand on appuie, impeccable. Et quand on tourne, impeccable, le rendu de ce qu'on veut. Ce pinceau-là aussi, il est vraiment bien. Ensuite, un pinceau boule qui s'appelle le Pencil Brush. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un pinceau boule. Celui-ci, je m'en suis servi pour appliquer fard noir, là, carrément en coin externe, pareil, en tournant. Il est sympa, voilà, j'ai rien de négatif à dire, c'est un pinceau aussi à avoir. Ensuite, ce petit pinceau-là, c'est un pinceau qui s'appelle Smooth Plat Shader Brush. Alors celui-ci, ça va faire un pinceau pour appliquer vos fards aussi plats, beaucoup plus un pinceau de précision, parce que vous voyez, il est tout petit par rapport... à celui-ci, vous allez voir la différence quand même, mais c'est le même procédé. Donc si vous voulez faire plusieurs pigments sur votre paupière, celui-ci il va être beaucoup plus précis. Vous pouvez aussi vous en servir en ras de cils, moi c'est ce que j'ai fait aussi, en coin interne, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre votre highlight aussi en dessous de votre sourcil, top. Ensuite, les deux derniers, ceux-là, ils sont, pour moi, c'est plus des estompeurs, les blending. Donc, il y a le simple blending brush, qui est celui-ci, et l'autre, c'est le crease blending brush, voilà. Alors, pour vous montrer, celui-ci, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus touffu, donc ça va nous permettre de bien estomper dans le creux, crease, même tous les contours, hein. Et celui-ci, ça va nous permettre de plus travailler dans le coin externe, voilà. Alors, ce que j'en pense, en général, du kit à pinceau, c'est 14 euros. Franchement, il vaut son prix. La trousse, elle est nickel. Les pinceaux, ils sont top. J'ai rien de négatif à dire. Ils ont vraiment, en plus, une prise en main. Ça fait comme les pinceaux d'école, en fait. Ils sont vraiment épais. J'aime bien. Et moi, au départ, j'avais tendance beaucoup, je pense, le fonci, à faire comme les crayons, à tenir le pinceau comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en reculant ma main, qu'en tenant mon pinceau beaucoup plus loin,
j'avais tendance en fait à obtenir un autre travail que je voulais parce que je n'arrivais pas spécialement, je voyais dans ma tête ce que je voulais au niveau d'appliquer mes phares, mais je n'arrivais pas spécialement, c'était pas ce que je souhaitais. Et là en fait, en tenant mes pinceaux beaucoup plus loin, en utilisant vraiment bien le manche, du coup j'arrive à faire ce que je veux. Je vous les conseille, franchement les pinceaux là je vous dis top. J'ai vu une vidéo, ça doit être si je vous dis Tata, vous la connaissez toutes, si tu regrettes ta coupe de Playmobil, Nat, voilà. Elle parlait, je crois, d'un kit vert des pinceaux de Elsa Makeup aussi, qu'elle aimait bien. Je pense que je me le prendrai aussi. Et là, franchement, j'adore. Après, les deux autres pinceaux que j'ai pris. Je vous ai pris les deux autres pinceaux que j'utilisais avant d'avoir ceux-là, pour vous en parler. Déjà, le pinceau poudre. Le pinceau poudre, j'ai pris le Real Technique, c'est celui-là que je me sers. Donc, voici celui-là d'Elsa. Donc, c'est le Powder Brush que j'ai commandé à part. Et au niveau du Real Technique, c'est vraiment le même. Voilà. Et je sais que celui-ci, elle l'aimait bien. Au niveau de la densité des poils, celui du Real Technique, il y en a un peu plus que celui-là de Elsa. Je vais dire vraiment un peu plus. Par contre, c'est exactement la même efficacité que celui-ci. Je l'aime beaucoup. Du coup, ça m'en fait deux. Je voulais en racheter un là. Eh ben non, j'ai celui-ci. Il est vraiment top. J'aime beaucoup. En plus, il ne perd pas ses poils. Je l'ai lavé à plusieurs reprises. Il dépose vraiment la matière en légèreté. C'est vraiment, quand on applique le pinceau, c'est quelque chose vraiment de très léger. Donc, vous tapotez avant votre poudre et vous appliquez. C'est vraiment, mais d'une légèreté, je l'aime beaucoup. Celui-ci, c'est pour moi un top. J'aime bien. Ensuite, le pinceau blush. Ben, en fait, je suis mitigée. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci, le Check Brush de chez Real Technique. Pour le moment, j'ai pas réussi à avoir un pinceau blush qui me le détrône. Alors, je ne suis pas tapée dans les pinceaux MAC, Sephora, j'ai pas encore essayé Zoeva, j'ai pas encore essayé Morphe, donc j'en ai encore à utiliser et à savoir. Mais celui-ci, j'y suis habituée, pourquoi? Parce qu'en fait, il a deux côtés plats, et ici, ça fait arrondi. Donc, quand j'applique mon pinceau, en fait, quand je prends la matière, je l'applique et j'écrase mon pigment. Que quand je prends celui-là d'Elsa, vous voyez en fait la façon qu'il est, ça fait plus comme un pinceau poudre, ça fait beaucoup plus fluffy. Et du coup, ça m'applique la matière vraiment en légèreté. Et vu que moi, et comme je vous ai dit, j'ai les taches, ça ne me convient pas spécialement. Je préfère plus ce pinceau-là où je vais écraser le pigment. Si j'écrase le pigment, voilà ce que ça fait. Ça bouge parce qu'il fait trop fluffy, c'est pas possible. Qu'avec celui-ci, oui, c'est possible. Kaline, dépêche-toi. Donc avec celui-ci, c'est possible parce qu'il est conçu pour, il est fait pour écraser aussi le pigment. Donc, quand on veut quelque chose d'aérien, de léger, ce pinceau-là, il est top. Voilà, c'est le blush brush et je l'ai testé hein, avant de vous en parler. Et franchement, voilà, moi je trouve que quand on veut quelque chose de léger, on dépose comme ça, voilà. Même limite, vous faites votre contouring et ensuite vous l'estompez. Et bien, il est parfait. Vraiment parfait. Voilà, j'ai pas encore testé toute la gamme des pinceaux, mais déjà, ce que je peux vous en dire. Ensuite, l'autre produit que j'ai testé, mais vous ne retrouverez pas sur son site, que j'ai testé, façon de parler, que j'ai lu, et pour moi, ça a été un coup de cœur de lire son livre. Je vous en ai parlé dans les lundis, viens boire un café avec moi. Je vous en ai parlé aussi, je pense, dans d'autres vidéos comme ça, et je vous avais dit que je vous en parlerai beaucoup plus dans cette vidéo-là, qui est consacrée à ces produits. Son livre, il est à 16,50€, vous pouvez le retrouver, là je suis allée à Géant, il est à Géant, vous pouvez le retrouver style espace culturel, moi je l'ai acheté par contre sur Amazon. Je ne suis pas spécialement livre de youtubeuse, j'ai lu comme ça en à peine, on va dire un quart d'heure, celui-là dans Joy Phoenix en magasin, il est à 15€, tout petit, je n'ai pas voulu l'acheter, je m'attendais vraiment à son histoire beaucoup plus personnelle. Comme Elsa, où là, Elsa, elle rentre vraiment dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa maladie. Alors, c'est, pour moi, ça n'a pas été de la curiosité, parce qu'elle en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc on était au courant. Pour moi, déjà, dans un premier temps, c'est que je voulais l'apprendre à la connaître beaucoup plus. Et en fait, je voulais aussi, comment dire,
par rapport à ce qu'elle peut donner dans ses vidéos, par rapport à sa maladie, par rapport à tout ça. Elle n'aime pas qu'on la plaigne, hein, voilà. Mais je voulais justement acheter son livre et que ça aille pour elle, dans le sens tout ce qu'elle fait, que ça soit bien, parce qu'elle ne peut pas travailler. Donc YouTube, c'est son travail, c'est en plus de sa passion. Elle exprime bien, elle a fait aussi une interview sur 7 à 8 où, que j'ai pu voir où elle en parle. Et je trouve mais que c'est une force de la nature, c'est une battante, c'est un exemple. Il y a aussi, elle est décédée, je suivais, elle est partie aussi, elle faisait des vidéos. Comment elle s'appelait? C'est Tania, je crois. Que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Il y a aussi une Américaine qui est en fauteuil, qui est handicapée, qui a eu un grave accident. Et je vous mettrai, si j'y pense, sa chaîne en barre d'infos. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, en plus, bah, voilà, son titre, c'est Mes secrets. Donc elle va nous parler de son histoire, vraiment. C'est vraiment bien écrit, je l'ai lu, de toute façon tout son livre je l'ai lu en une fois, hein, une seule fois, d'une traite, hein. Vraiment tellement j'ai été prise d'émotion, j'ai même eu les larmes aux yeux, ça m'a retourné dans le sens où que c'est une battante quoi, et elle s'est toujours battue, elle parle aussi de son papy, hein, qui a été un de ses piliers aussi, hein. Et de se livrer comme elle l'a fait, je pense que ça a été bon pour elle. Et on comprend aussi son parcours. Et c'est vraiment top. Ensuite, elle va donner... bon, c'est des choses que j'ai pas besoin, hein, pour moi. Bon, ma fille, elle est contente, elle va le lire parce qu'elle l'adore aussi. Et elle va parler donc de ses rituels. Elle nous a mis quelques petites recettes. Elle va nous parler du teint, elle va nous parler de ses maquillages, elle va nous parler de la poudre, des yeux. Mais son livre, il transpire façon de parler, la joie, la bonne humeur. C'est elle, c'est vraiment elle. Ben, quand vous la voyez, de toute façon, elle a toujours le smile et c'est vraiment top ce qui lui arrive. J'en suis vraiment contente de ce qui lui arrive avec tout ce qu'elle a pu traverser. Elle a aussi rencontré Faustine qui est une abonnée à elle. Voilà, on a des super bonnes recettes, des brownies, des gâteaux yaourt, des pancakes. Et ma fille veut des pancakes, donc je pense qu'on va le faire. La recette d'Elsa Makeup, elle sera contente. Et je veux dire que pour les personnes comme moi qui ont quand même beaucoup de bases au niveau maquillage, vous n'allez rien apprendre dans ce livre-là, ne vous y attendez pas. Mais à offrir à une adolescente, je trouve que c'est sympa parce que oui, elles vont apprendre beaucoup de choses. Déjà, je pense qu'avec l'histoire de Elsa, ça peut les faire réfléchir aussi sur les valeurs de la vie, sur voilà, se battre, pas s'écouter. Enfin, c'est pas non plus donné à tout le monde, c'est ce que je vous ai déjà dit dans les lundis, viens boire un café avec moi. Mais c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Enfin, moi, je sais que je l'apprécie, cette jeune fille. De tout ce qu'elle peut donner d'elle-même, de tout ce qu'elle peut dégager. Et du coup, bah, les jeunes, je pense que là, son livre, il est super bien fait pour apprendre plein de petites choses. Et j'adore, elle nous donne son univers aussi de chez elle, hein. Ça, je l'ai en plus celui-ci parce que c'est Marilyn Monroe et j'ai l'intention de le mettre aussi en cadre quand je serai chez moi. Mais vraiment, enfin, top, quoi. C'est super bien écrit, quoi. Son récit, son image poignant, ouais, drôle, touchant, toujours sincère. C'est ce qui m'a énormément touchée et émue. Et je ne regrette en aucun cas d'avoir acheté ce livre-là. Si vous avez un cadeau à faire dans votre entourage à une adolescente qui commence à se maquiller, elle apprendra plein de choses. Et même vous, si vous voulez savoir, parce qu'elle explique vraiment en profondeur. Comme je vous ai dit, c'est touchant, hein, donc ce qui s'est passé depuis qu'elle est petite, hein, plus le divorce de ses parents, le décès de son papy, enfin, il y a plein de choses. Et c'est vrai que c'est poignant, c'est attachant, et voilà. Et je me dis que bah, je suis vraiment contente pour elle et fière, parce qu'on a le droit d'être fière, de ce qu'elle a pu faire après, au niveau de sa chaîne, au niveau de son maquillage, sa gamme, et elle doit ça qu'à elle, bien évidemment à toute sa communauté, à tous ses abonnés, mais je trouve ça vraiment top, quoi, vraiment génial. Donc pour moi, je sais que je ne m'arrêterai pas là au niveau de ses produits.
Elle a sorti d'autres petites palettes qui ne m'intéressent pas dans les teintes. Par contre, au niveau des pinceaux et des rouges à lèvres, je pense que oui, je repasserai commande parce que là, pour moi, c'était une belle découverte. C'est dans la gamme Chic Matte. Je ne veux pas rester sur cette déception-là, en fait, de couleur. Voilà, c'est la couleur. Parce que la texture est... Oui. Pour un, c'est pas un gloss, pour un rouge à lèvres quand même, je trouve qu'il est quand même plutôt pas mal. Mais là, la couleur ne me convient pas du tout. Je pensais pas, je pensais plus que ça faisait bois de rose, mais non, pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez certains produits d'Elsa, dites-le moi, qu'on en parle. Et j'ai pris plaisir vraiment à vous faire cette vidéo, ça a mis le temps, mais en fait, ça y est, je l'ai faite. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.